Un cercueil et une tête de mort en guise de bienvenue, pas très rassurant pour les 130 personnes admises chaque jour aux urgences de l'hôpital Thenon. Voilà déjà un mois et demi qu'une grève perturbe le bon fonctionnement de cet établissement de l'Est parisien. En cause, un manque chronique d'effectifs, notamment parmi le personnel infirmier. Ça se traduit par un mal-être général, hein, où le boulot n'est pas fait comme il doit être fait, où les malades ne sont pas pris en charge comme ils devraient être pris en charge. Et ça, c'est inacceptable parce qu'on n'est pas dans un pays sous-développé. Selon un manifeste signé par plus de 150 médecins de l'hôpital, 10% des postes d'infirmiers ne sont pas pourvus à Thenon. L'hôpital doit donc faire appel à des intérimaires. C'est le cas d'Edith, une jeune infirmière arrivée ici il y a 15 jours. Malgré son enthousiasme de débutante, elle ne cache pas qu'elle est tombée des nues devant la situation. La dernière fois, une de mes collègues qui s'est retrouvée toute seule pour faire la salle de déchoquage qui est derrière, en même temps la salle de surveillance qui est en face, le couloir et tous les box qui sont le long du couloir. Et quand vous êtes toute seule pour faire ça, c'est pas possible, c'est épuisant. Et puis surtout, c'est stressant parce qu'on a peur de faire une erreur. Je vais mettre le garrot, ça va serrer, hein. Même si les grévistes continuent de travailler parce qu'ils sont assignés par la direction, leur mouvement commence à se faire sentir. Attente interminable, renvoi des cas les moins urgents, fermeture de lits et parfois même délestage de patients sur d'autres hôpitaux. De quoi s'interroger sur la qualité des soins. Du fait de ce manque de personnel, on ne puisse pas travailler assez vite, assez bien, qu'on rate une situation grave et qu'on puisse mettre en danger la vie d'un malade. Du côté de la direction, on annonce l'arrivée de 40 infirmières dans les prochains mois. Mais on reconnaît que le recrutement de ce type de personnel pose de gros problèmes à Paris, en raison notamment du coût de la vie, quand on se retrouve avec un salaire qui tourne autour de 1200 euros net par mois. On aurait 36 000 réponses à apporter s'il y avait la queue devant la porte avec des infirmières qui veulent venir travailler. C'est pas ça la réalité du recrutement à Paris. Il reste des emplois vacants. Quand on a fini le recrutement, il reste toujours des emplois vacants dans nos hôpitaux. À compter de 2012, les patients arrivés par les secours aux urgences de Thenon devraient être orientés vers d'autres hôpitaux. Une bouffée d'oxygène pour cet établissement, mais une source d'inquiétude aussi. Malgré les démentis de la direction, le personnel y voit l'amorce d'une éventuelle fermeture de l'hôpital.